Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour le The Amazing Spider-Man 2, pour la fin, on reprend où on en était. J'ai un niveau de menace qui est encore bien élevé, pourtant je viens de sauver des civils. Parce que j'ai dû refaire la dernière mission qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire il y avait des civils à sauver là, 2-3 conneries. C'est la meilleure façon de tomber sur les fesses. J'ai dû le refaire, je sais pas pourquoi, pourtant j'avais sauvegardé hein, mais bon. C'est pas grave, ça m'a pris 2 minutes. Et donc là, ce qu'on doit faire... Putain, je me suis fait poursuivre par ces merdes là. Ce qu'on doit faire là... C'est aller retrouver le bouffon vert. Bah là, surtout là, si tu veux pas faire de toile quand je te le demande, mon pote, oui, t'as plus d'options, ça c'est clair. Là, ce qu'on doit aller faire, c'est retrouver le bouffon vert. Et on approche, je pense, vraiment de la fin du jeu. Je me fais tirer dessus par ces saloperies là. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah merde, il est là-haut le bouffon vert. Bon, voilà. Je suis sûr que ça m'a niqué ma vie en plus. J'ai regardé le film. Hier justement. Si tu veux de l'aide, ne te bats pas contre moi. Je ferai tout le possible pour te soigner. Et du coup, ouais, j'ai regardé le film. Écoute, cette expérience n'affecte pas seulement ton corps, ça t'embrouille l'esprit. Et il y a des choses dans le film qui sont bien, enfin, que le jeu a bien repris du film, et d'autres, non. En fait, il y a des personnages qu'on voit dans le jeu, qu'on voit pas dans le film. Il y a... Ouais, je sais pas, enfin, il y a des trucs différents entre les deux. Faut juste le suivre pour l'instant. Moi, plus ça va et plus je suis bas là. Il est où ce con? Il vient de passer au-dessus de ma tête. Il est là, il tourne autour de l'immeuble. On va grimper tout en haut de cet immeuble et on va voir. Parce que là, il fait que tourner autour. Hein. On va pas... Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Et je pense qu'on approche de la fin. Hein. C'est peut-être même le dernier épisode aujourd'hui. Hein. Ouais. Il est où ce con aussi? Moi, je veux bien hein, lui... Je vais te niquer, moi. Alors, c'est bien parce que ça vise tout seul sur lui. Merde! Ah, le con, j'ai appuyé trop tard. Allez, faut qu'on le frappe, là. Oh là là, je lui ai rien fait comme dégâts, là. À ce con-là. Ah bon, on va se soigner. Ah, faut que je le nique, là, aussi, là. Ok. Mais là, je lui fais rien comme dégâts. J'espère que ça va lui faire des dégâts à la fin, parce que là... Bon, on a traversé le mur. Allez, mange les murs, salopard. Allez, mange le mur, je te dis. Salopard.
En fait, je lui envoie la tête dans les murs, là, mais je vois pas trop ce que ça fait pour l'instant. Parce qu'il perd pas vraiment de vie. Allez, mange-toi les murs, là. Et du coup, j'ai fait tout ça pour rien, parce qu'en fait, il a pas perdu de vie, là. Faut que j'utilise un putain de. Et que t'as eu la vie dure. Mais c'est fini, je vais plus m'apitoyer sur ton sort. Je suis désolé. Je peux pas le niquer là. Putain, je suis en train de me faire niquer, mais je comprends pas trop comment, là. Oh là là là. Allez, voilà. C'est ça, va, salopard. Je t'ai vu courir, là. Il est où ce salaud? Il est là. Il y a ces bombes partout là. Ah, on va lui faire le RB là, non, je peux pas. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, je me concentre un peu, parce que vous savez, sinon je fais n'importe quoi. Allez, tiens, celle-là, tu vas la manger, mon pote. Ah, je peux le frapper quand même. Oula, 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 da, 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 da. Allez, si je pouvais lui en envoyer une autre dans la face, là. Voilà. Ça vient d'où, là? Double esquive, voilà. Tiens, ta mère. Bon, je pense qu'on approche. Ah bah là, il marque les succès cette fois. Je ne veux pas vivre comme ça. C'est pas la solution. Ce serait trop facile. Tu crois que c'est dur pour toi? Il y a des malades et des mourants partout dans le monde. Certains ont la même maladie, mais pas ton argent, ni tes ressources. Même si tu ne veux plus te battre pour toi-même, tu dois le faire pour eux. Il faut que tu assumes tes erreurs et que tu fasses tout pour les réparer. C'est ce que m'a enseigné l'homme le plus juste que j'ai connu. Bon. On a cassé la gueule à Max Dillon. On vient de casser la gueule au bouffon vert. Je pense qu'on arrive à la fin du jeu. Vraiment, là. Donc, ce dernier épisode, ça va être le plus court de la série. Mais ouais, du coup, c'était pas trop mal comme jeu. Pour le coup, je m'attendais pas. Enfin voilà, je m'attendais à rien de spécial. Je l'ai acheté parce que je l'ai payé 19 euros. Enfin, il était à 19 euros, voilà. Au final, ça aura fait un bon petit let's play pour la chaîne. Je sais pas si ça intéressera du monde, si ça vous plaira vraiment ou quoi. Enfin. Mais je m'en fous, j'avais envie de le faire. Quelqu'un peut se rendre sur place? Centrale, entre la coupure de courant et Oscorp, on est complètement débordé. Impossible d'y aller, je répète, impossible d'y aller. Mieux d'y aller tout de suite. Ah, donc c'est pas fini. Il reste une mission. Attendez, on va aller dans l'amélioration parce que là, j'ai récupéré... Oula, oui, oui, j'ai un nombre de points, là, franchement. Et donc, du coup, le costume, j'ai eu que celui-là. Et
mais visiblement comme autre costume. Alors je sais pas si je les ai ratés en route ou j'en ai aucune idée. Mais visiblement, il n'y en a pas d'autres. Ou alors je les ai vraiment ratés en route. Donc je sais pas. Allez, on va se booster un max. Voilà, bon, il restera quelques améliorations à faire, mais c'est pas grave. Allez, on y va. On va essayer de pas se faire des gommes par ces saloperies de sentinelles, trop tard. J'ai une mission à faire, les gars, foutez-moi la paix. Il y a une émeute à Ravencroft. On n'a pas assez d'hommes pour la contenir, mais on a réussi à couper le pont pour l'instant. Et les employés de l'Institut? On a envoyé la brigade spéciale pour les évacuer, mais ils ont du mal à s'en sortir. Vous pourriez leur donner un coup de main? Pas de problème. Eh ben, on va aller voir. Bah oui, on va y aller, de toute façon, on n'a pas le choix. Si la dernière mission, elle se passe là. On va y aller. J'espère que c'est pas une mission trop chiante pour finir, parce qu'on finissait sur le bouffon vert, ça me paraissait pas mal. Comment ça a pu arriver si vite? C'est comme si quelqu'un avait fait exprès de libérer les détenus les plus dangereux. C'est encore ben oui. Pire que ce que j'imaginais. Et le personnel et les détenus. Je vais faire sortir de là. Qu'est-ce que tu devrais... Allez. Hop hop hop, faut que je me barre de là. Ils veulent pas crever, ces cons là. Ouh là là. Là, fallait faire une double esquive. Bon, écoutez, visiblement, on va avoir pas mal de petits combats pour finir le jeu. Ah, attendez, lui, il a une armure là. Je me rappelle plus comment fallait faire. Non, c'était pas ça. C'était pas ça non plus. Il y avait un truc à faire avec celui qui avait une armure. Merde, je me souviens plus. Ah, je suis désolé parce qu'il y avait un truc à faire avec les mecs qui ont une armure, mais je me souviens plus. Attendez. Option. On peut pas voir les commandes. Je suis désolé, je me souviens plus. Salve de toile, secoule. Ah, faut peut-être. Ah, en fait, oui, il y avait juste ça à faire. Bon, je suis désolé, j'ai eu un trou de mémoire. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué au jeu, du coup, avec le boulot. Et je croyais qu'il y avait une combinaison ou un truc à faire. Je me souvenais plus. Dépêchez-vous de vous mettre à l'abri loin d'ici. Ah non, non, j'ai pas visé le bon avec la secousse sismique là. C'est pas grave, on va niquer lui là. Allez, bon, par contre, il est parti se foutre dans le truc, c'est pas très bien. J'aimerais bien pouvoir sortir par contre. C'est bon? Ah, il est mort, d'accord. Allez.
On est niveau 7 au niveau du costume. Bah finalement, ouais, il n'y avait que le costume de base et celui-là, j'en ai pas eu d'autres. Alors je sais pas s'il y en a d'autres que j'ai loupé ou quoi. Mais en tout cas, j'en ai pas eu d'autres. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pourrais pas vous dire s'il y en a d'autres ou pas du coup. Du coup, je ne sais pas. En tout cas, ça, j'ai pas vu de changement non plus. Enfin, c'est, visiblement, c'était que esthétique. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Attends, je vais niquer l'autre là-haut quand même. Le mec il m'avait même pas vu quoi. Ça y est, les succès en fait maintenant ils s'affichent sur la console parce que ouais, tous les épisodes précédents, les succès, ça, l'ordinateur faisait du bruit, ça s'affiche sur Windows 10 mais pas sur la console. Allez vous mettre à l'abri. Il ressemble au connard du film lui, mais je pense pas que ce soit le connard du film. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là? Allez! Bon, allez, dégomme une bonne fois pour toutes. Putain, ils me font chier ces cons là. Oh là là, mais ils arrivent encore en masse là. On a déjà perdu une partie de sa vie en plus, ce con. On va en coucher une partie là. Pour l'instant, comme ça, ils vont pas trop m'emmerder. Allez, restez couché là. Lui, il perd de la vie en plus, ce con de civil là. Allez là, putain. C'est bon. Bon, visiblement, c'est bon. Mais je vais essayer de pas en tenir compte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Cassidy. On a essayé de le soigner avec un sérum expérimental. Arrêtez! Je sais ce que vous fabriquez ici avec Fisk. Vous utilisez ces gens comme des cobayes. Okay, d'accord, d'accord. Mais le danger est réel. Cassidy a changé. Il est devenu un monstre incontrôlable. Et il veut en créer d'autres comme lui. Comment je peux arrêter Cassidy? J'ignore si c'est possible. Il faudrait neutraliser le symbiote qu'on lui a injecté. L'empêcher de fonctionner. En lui infligeant des dégâts extrêmes. Par le feu, peut-être. Ou des vibrations intenses. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous comptions l'étudier. Ok. Qu'est-ce que votre sérum à la noix lui a fait? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais comme pour tout le reste, le but était de soigner les Osborn. Cette fois, nous avons créé des nanites organiques, intelligents, dont la survie dépend totalement de celle de l'hôte. Maintenant, écoutez-moi, les maladies, les blessures, ils peuvent tout soigner, tout en protégeant la vie de leur hôte. Relation symbiotique. D'autres ? Cassidy est un tueur psychopathe. Depuis quand il aime avoir de la compagnie ? Son père le maltraitait, sa mère est partie. Il était extrêmement jaloux des autres enfants qui avaient des familles heureuses. Donc il essaie de s'en créer une ? Oui, avec les détenus les plus dangereux de Ravencroft. Et il oui. Faut créer une famille à son image. Bon, finalement, je suis pas sûr que ce dernier épisode Méritait pas. Et ensuite, soit plus court. D'accord.
Il se dirige vers les niveaux souterrains, là où se trouvent les plus dangereux détenus. S'il les transforme en créatures comme lui, on ne les arrêtera pas. Ouais, je peux pas monter au mur là, évidemment. Je peux pas faire ça non plus. Comment je sors de là, du coup? Je peux pas me... Ouais, je peux pas sauter sur le mur comme ça, avec lui sur le dos. Alors, comment je me barre? Comme ça? Peut-être. Ouais, comme ça. Oh merde! Si on peut les éviter eux pour l'instant, ça m'arrangerait bien. Foutez-vous entre vous, moi je suis occupé, là j'ai un trou duc sur le dos. Mais là si je redescends, je vais redescendre au même endroit là. Ah non, c'est bon. J'étais un peu perdu. Bah finalement cet épisode il va pas être plus court hein. J'ai l'impression. Laissez-moi ici. Ma voiture est dehors. Allez à l'hôpital, racontez tout à la police. Sinon je m'occuperai de vous après Cassady. Ouais. Trop du cul. Pas personnel. Tu vas pas me faire chier, toi. Ah, il va pas m'emmerder, celui-là. Quand même. Pas autre chose à foutre là. Il me semble que si. Ah bah oui, on va rentrer dans Ravencroft, hein, on n'a pas le choix. Et on va s'attaquer cette dernière mission. Il va falloir casser la gueule à ce bonhomme. Sacrée sécurité ici. Je me demande ce qu'il faisait. Non, il se passait quelque chose de vraiment tordu ici. Qu'est-ce que tu devrais changer chez toi? Tu vas adorer ça. En tout cas, moi, j'adore. Il y a de l'électricité dans l'eau. Allez. Allez, vite, vite, vite. Faut que je me barre de là. Non mais là c'est pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Ah bon, on va retourner là. Ah bah ils sont là, ces trous ducs. Oh merde. Oh putain, ça explose fort ça. Double esquive. Oh les bâtards, les bâtards, les bâtards. Ils ont des putains d'armes là. Autre chose que d'affronter des pickpockets.
Ça marche, mais tout le monde s'en fiche. Oh, plus pas ça. J'essaierai de moins t'humilier. Alors... je sais toujours pas où est-ce qu'il faut que j'aille, hein. Là-dedans, là ? Attendez. Mais je peux grimper dessus ? Oh non, c'est pour niquer ce machin, on s'en fout de ce truc. Ah mon... ouvre le feu, je tire l'araignée. Il là, cible en vue. Ouvre le feu. C'est franchement mieux que ce que tu portes d'habitude. Ah, ils sont collés là, c'est bon. Y a pas quelque chose à faire là-dedans? Attendez. On va rentrer là, on va voir. Parce que là, moi, je veux bien aller là-dessus, mais il y a de l'électricité, alors... Là, je comprends pas très bien où est-ce... Ah, il y a un trou, là. Lâche, mais lâche cette putain de cage. Je vais crever, putain. C'est sûrement là qu'il retenait Max Dillon. Ah, j'arrive pas à sortir, putain. Ah non, mais j'ai sauté 10 fois, j'ai appuyé 10 fois sur le bouton pour lancer une toile, j'ai pas réussi à sortir. Mais ça me paraît bizarre, là, faut rentrer là-dedans, là. J'ai rien trouvé pour couper l'électricité, ça me paraît bizarre, cette histoire, là. Sacrée sécurité, ici. Je me demande ce qu'il faisait. J'ai l'impression qu'il se passait quelque chose de vraiment tordu ici. Et là maintenant, on me dit qu'il faut que je me barre de là. Alors je peux descendre comme ça, visiblement. Là dans les trous ah attends, traction toile. Ah mais où est-ce qu'il veut que je fasse traction toile lui? Ah d'accord. Putain, et je me suis barré du truc. J'aime pas trop arriver la tête en bas, en fait. Explose tout seul, toi, va te faire foutre. Faut que je reste hors de l'eau. Si je veux pas prendre une décharge. Vite ! Accroche-toi là-haut ! Non, là, il a décidé qu'il allait cibler le truc, là. Et du coup, il ne veut pas faire autre chose. Bon, du coup, voilà, je vais crever. Non, là, il avait décidé qu'il ciblerait le truc volant, là. Il a ciblé le truc volant. Il n'a pas voulu cibler autre chose. Ça, c'est des choses qui m'énervent, par contre. Ça fait partie des petites choses qui m'énervent dans le gameplay de ce jeu. Mais est-ce que ça explose au bout d'un moment, ça, tout seul, là, non ? Parce que là, regardez, le truc, faut que j'aille en face, mais... faut que je reste hors de l'eau, si je veux pas prendre une décharge. Non, moi, je veux aller en face. Mais...
Et là, il a décidé que je devais aller sur ça. Sauf que ça, non, faut pas aller là-dessus. Donc, fous-moi la paix et... Et voilà, ça va recommencer. Là, monte. Bah vas-y, là, monte là-dessus. Putain, c'est de la folie, ce truc. Je sais plus trop où je suis, là, mais bon. C'est pas grave. En fait, après, tant que vous prenez des décharges, c'est mort. Vous pouvez pas utiliser... utilisez votre toile. Je pense que c'est pour ça. Le projet. Je pense que c'est pour ça. Super. Pourquoi je tombe jamais sur le projet arc-en-ciel ou le projet chocolat? J'aimerais bien me remettre de la vie là avant de rencontrer un trou du cul là parce que je le sens mal là. Arriver au bout là. Faut que j'arrête Cassady avant que la situation empire. Ouais, bah... Et là, là, je sais pas pourquoi je ne peux pas me soigner. Donc... Donc là, bon, bah, on va aller là-haut, hein. Parce que là, faut, visiblement, faut aller là-dedans. Maintenant, tu es piégé dans ma toile, petite araignée. Ne crains pas les ténèbres, embrasse-les. Tu deviendras comme moi. J'ai trouvé ma créature, Spider-Man. C'est justement ça le problème. Autant pour moi, il y avait un trou ici, je l'avais pas vu. Il y aura bientôt deux catégories. Ceux qui sont comme moi et ceux qui sont morts. Choisis ton camp. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, on dirait que ça vient d'une autre planète. J'ai jamais rien vu d'aussi horrible de ma vie. Ma famille. Toutes ces bouches à nourrir, tu vas leur servir de casse-croûte. J'avais jamais vu ouais. Non merci. Il aimerait bien se mettre une petite araignée sous la dent. Tu refuses mon cadeau, mais j'en ai un autre pour toi. La mort. Les voix dans ma tête sont d'accord. Tu dois mourir. Ouais, bah les voix dans ta tête, hein, ce que j'en pense, ce que j'en dis. C'est qu'elles ont un sérieux problème, les voix dans ta tête, mon pote. Ouais, on est à 33 minutes, en fait. On va faire à peu près 50 minutes, je pense, comme d'hab. Est-ce que ça peut s'arrêter bientôt, par contre, parce que là, je trouve que ça fait un petit peu long. Et est-ce qu'on peut le rencontrer ? J'espère qu'ils ont besoin de moi. Tu n'iras pas plus loin. On en a assez d'un comme toi. Oh. Je ne suis plus Cletus Cassidy. Maintenant, tu me vois sous mon vrai jour. Je suis Carnage. Ok.
Bon, alors j'ai fait ça, mais j'ai aucune idée de s'il faut lui faire ça. Misérable araignée, tu n'es tout simplement pas prêt à affronter la vérité. J'ai pas voulu t'entoiler la bouche parce que j'avais peur que tu t'étouffes, mais je commence à le regretter. Alors, tu fais le malin. Mais je sais ce que tu refuses d'admettre toi-même. Tu étais heureux que j'abatte ces criminels. Tu m'en es reconnaissant, j'ai raison, hein? Non, il n'est pas trop tard pour comprendre. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tu dis chercher des réponses dans la mort, mais qu'est-ce que t'essayais de créer quand je t'ai arrêté? Des êtres semblables à toi? Une famille? Pour transmettre le message, la vérité, le chaos et la mort sont... C'est faux. Tu veux te fabriquer une famille parce que c'est ce qui te manque. Tu ne cherches pas la mort, Cletus. Tu veux la vie que t'as jamais eue. C'est toi qui te voiles la face. Tu dis tuer pour comprendre la mort. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? La vérité, le sens, les secrets qu'elle révèle sur notre existence, ce qu'on a peur de voir. Il n'y a pas de secret. La mort fait partie de la vie, rien de plus. C'est une chose naturelle, qu'elle arrive avec ou sans raison. Tu perds ton temps à essayer de donner un sens profond à la mort. C'est la vie qui a du sens. C'est dommage que t'aies gâché la tienne. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis comme toi? Tu avais envie de faire pareil. D'exterminer ces criminels. C'est vrai. Je voulais pas l'admettre, mais je mentirais si je disais que cette idée m'a pas traversé l'esprit. Je le savais. C'est humain. La colère, la soif de vengeance. Y a aucun mal à ressentir ce genre d'émotion, tant qu'on ne passe pas à l'acte. La véritable différence entre nous, Spider-Man, c'est que je m'accepte comme je suis. Tu ne devrais pas. Et toi, si, qu'est-ce que tu attends, alors? Désolé, Cletus. Je me rends compte que c'est pas un psychopathe dans ton genre qui me donnera les réponses que je cherche. Je sais, quoi d'autre? La mort. Ah oui, je me suis dit ça va pas être si facile que ça quand même. Oh la gueule. Pou 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 pou, je me disais aussi. Ouh, ta mère. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! On va essayer de l'allumer, hein, un max. Hein. Je sais pas trop comment faut le niquer, visiblement. Visiblement, il y a des explosions quand il nique les trucs là. Voilà, je l'ai brûlé. Visiblement, c'est ce qu'il fallait faire. Je sais pas où il est, ce con. Il est où, putain? Et on se retrouve, et il y a un truc auquel j'avais pas pensé, et effectivement, c'est ça. C'est de lui faire ça, ce con. Voilà. J'avais pas pensé à lui faire ça. Merde. Faut que j'esquive, mais je ne sais pas quoi. J'essaye de me soigner. Maintenant, on recommence.
Merde. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, ta mère. Tombe. Putain, c'est fou ça quand même. Allez, mais non, mais vise-le toi aussi. Bon, je suis désolé, du coup on aura perdu du temps. Ta mère, tu vas mourir, c'est tout. Oh là là, Allez, nique-toi. Tu vas mourir. Bon, en fait, vous voyez, c'était pas si dur que ça. Il fallait juste penser à la secousse sismique. Et comme je suis un peu con, j'y ai pas pensé. Mais c'était pas si compliqué que ça au final, je suis désolé. On a passé une heure sur cet épisode. S'il te plaît, laisse-moi mourir. C'est pas la réponse, Clitus. Personne ne trouvera de réponse ici. Qu'est-ce qui t'arrive, Pete? Tu as l'air d'être seul au monde, mais je peux t'assurer qu'il te reste au moins un ami. C'est Oncle Ben. Il me manque tellement, et je me sens perdu sans lui. Il m'a élevé. Je l'adorais. Et il est mort parce qu'il essayait de me trouver. Je n'arrive pas à me le pardonner. Laisse-moi te poser une petite question. Ton oncle Ben était un homme vraiment remarquable. Tout le monde l'adorait. Sa vie était formidable, non ? Alors pourquoi tu ne penses qu'à la manière dont elle s'est finie ? Ce qui compte, ce n'est pas sa mort, Peter. C'est comment il a vécu sa vie. Maintenant, c'est à toi de rendre hommage à cette vie, en vivant comme il t'a élevé, en restant le garçon dont il a toujours été si fier. Il vous a dit ça ? Je t'assure. Ton oncle savait que le monde pouvait être cruel, qu'il avait besoin de gens bien, de héros. Et crois-moi, tu es l'un de ces héros, alors qu'est-ce que tu en dis? Du coup, je pense que j'aurais fait un cut hein, pour les 10 minutes où j'ai galéré dans... pour rien. Je veux que tu le fasses pour ton oncle et pour moi. Donc au final, vous allez pas savoir de quoi je parle, mais je vais faire un cut. Hein. Mais je n'ai pas à le remplacer, parce qu'il m'a déjà donné tout ce qu'il me faut. Maintenant, c'est à moi de lui faire honneur en utilisant tout ce qu'il m'a offert, et que je le rende fier. Bien dit, bien dit. Ouais, voilà. C'est fini. Enfin, je vais voir. Alors, peut-être que vous allez me voir galérer 10 minutes sur le boss, ou peut-être j'aurais fait un cut, je sais pas, je verrai bien au montage. Je suis pas très motivé pour le faire, là. Est-ce qu'on peut passer ce générique? Oui, on peut le passer. Bah, écoutez. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le maire. Et c'est un honneur de pouvoir vous apporter mon aide, quelle qu'elle soit. Ce qui est arrivé au jeune Osborne est tragique. Mais n'ayez crainte, je continuerai de financer la brigade spéciale moi-même. Et au risque de paraître trop confiant, je vous promets que lorsque nous aurons éliminé les organisations criminelles qui infestent notre ville, le taux de criminalité sera ramené à un niveau... gérable. Ouais. Vous voilà. Entrez, mon ami, entrez. Oh, je n'aurais pas pu faire ça. Caméléon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Bon, bah...
c'est pas totalement fini, visiblement. Enfin, je pense que là, les missions principales du jeu sont terminées, mais du coup, bah évidemment, ça donne une suite, quoi. On va voir ce qui se passe. Bon, du coup, cet épisode va être vraiment long. Je dois jamais oublier que je suis là pour aider les gens. Ah, je suis au niveau max de mon costume. Costume disponible. Bah, du coup, je vais te voir. Ah mais du coup on peut pas voir d'autres costumes en fait. Donc là c'est con. Ouais allez, hop, les messages, on verra ça plus tard. Mais là écoutez, bah voilà le jeu, mission principale 14 sur 14. 52% du jeu évidemment, parce qu'après vous avez vu, il y a tous les trucs en quête photo, tout ça à faire. On va pas les faire dans ces vidéos. On va s'arrêter là-dessus, les épisodes sont déjà bien assez longs comme ça. On va s'arrêter là-dessus pour ce let's play. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est pas un jeu spécialement très récent. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire. Bon, il y a quelques moments où je me suis énervé. Il y a aussi des moments où, comme vous l'avez vu, j'ai fait n'importe quoi, où j'étais un peu con et je trouvais pas comment faire. Mais dans l'ensemble, c'est un bon petit jeu sur lequel je me suis amusé. Et donc, si vous le trouvez à pas trop cher comme moi, 19€ je l'ai trouvé, bah écoutez, je vous le recommande parce que c'est un bon petit jeu sur lequel on s'amuse bien. Et du coup... Je dois trouver un moyen d'y aller. Du coup, voilà, c'est un bon petit jeu sur lequel je me suis bien amusé. Donc je vous remercie, je vous dis salut à toutes. Et à la prochaine, et à tous aussi, et à la prochaine.